de Pentecôte. Donc, à part ça, merci d'être là, hein, merci de continuer à me suivre. Et petit message aux trolls, je ne vous lis même pas, en tout cas pas en entier. Et ensuite, eh bien, vous êtes bannis de la chaîne. Donc, voilà, j'espère que vous vous le tiendrez pour dit. Bon, alors, on va regarder aujourd'hui la mort du président iranien. Alors, j'ai été regarder comment il s'appelle. Plutôt comme elle s'appelait, puisque ce monsieur est décédé, Ebrahim Raisi, décédé dans un crash d'hélicoptère le 19 mai. Donc, il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé, effectivement, de savoir, plutôt de regarder, parce que de savoir, je sais rien, mais de regarder s'il s'agissait bien d'un accident ou pas. Alors, évidemment, des accidents, il y en a, hein. Il y en a même tous les jours. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel entre Israël et puis... l'Iran, hein. On peut se demander quand même. Ouais, on peut se demander quand même si c'est vraiment un accident. Bon, alors on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet accident d'hélicoptère? Voilà. Alors, tiens, j'ai du poison. Ah bah, ok. Et j'ai l'ange. L'ange de la raison. Alors, est-ce qu'il y a des histoires de poison? Est-ce que le pilote était, comment dirais-je? Est-ce qu'il avait pris la soupe? Ah, parce qu'on n'y pense pas, mais... ouais, il peut y avoir aussi des accidents à cause de ça. Hein. Alors là, c'est possible, hein, vous voyez. Il y a quand même la coupe qui nous donne un indice, là. La voie de la raison, ça aurait été de ne pas prendre du poison, justement. Mais on va regarder. Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet accident d'hélicoptère? Est-ce que c'est vraiment un accident? Hein, parce que vous savez que tous les pilotes, enfin tous les pilotes, on va dire beaucoup de pilotes, notamment en France, mais pas que, ont été obligés de prendre ce que vous savez. Donc, est-ce qu'en Iran aussi? J'avoue que je n'en sais rien du tout. Donc, on y va complètement à l'intuition. Alors, il y a un déni, il y a quelqu'un... Alors, il y a quand même quelqu'un, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a une position très, très haute. Donc, oui, pourquoi pas un président, absolument. Oui, un président. Alors, c'est intéressant que cette carte-là soit sortie. Parce que vous avez ici et là des gens qui peuvent être des idéalistes. Et là, les questions de déni. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que finalement, il y aurait des gens qui seraient contre le régime en place? Parce que ces gens idéalistes, mettons, alors je vous dis, j'y vais vraiment à l'intuition parce que je ne connais pas la situation là-bas, mais accuseraient le président d'être dans le déni de quelque chose. Vous voyez, hein? Donc, ce serait un parti, on va dire, adversaire de ce président qui était au pouvoir. On va continuer. Hein. Franchement, moi, je suis comme vous, je découvre. Alors, quelque chose de vide, les frigos vides. Donc, on est dans le déni par rapport à un manque de quelque chose. Et là, il y a des gens qui essaient de construire quelque chose. Alors, est-ce que le président était dans le déni par rapport aux soucis quotidiens de son peuple, par exemple, une population qui manquerait de nourriture, par exemple, pour satisfaire ses besoins, on va dire, normaux, ses besoins alimentaires. J'étais en train de chercher le mot, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une population qui est en souffrance là-bas? Est-ce que le président était dans le déni, justement, des besoins de son peuple et qu'il y aurait un parti qui essaierait de construire autre chose? Bon, là, on est dans les starting blocks, donc on est sur le départ. Ouais. Alors, pour l'instant, ça ne me dit pas si c'est un accident, mais j'ai l'impression qu'il y a un parti. Je vais en prendre qu'une, là. Il y a un parti, alors plutôt, encore une fois, idéaliste, hein, qui n'était pas d'accord avec les idées du président, puisqu'il y a des histoires d'être dans le déni. C'est le président qui est dans le déni. Ah, j'ai l'enterrement. Ah ouais, c'est incroyable ça. Regardez, j'ai l'enterrement là. Et là, donc la mort, hein. Le pillage, mais il y a quelque chose qui ne va pas en Iran. Hein. Bon, ben là, oui, effectivement, il est parti au ciel.
Bon, ça, c'est plutôt l'illumination des consciences, mais enfin, bon, on peut y voir aussi quelqu'un qui s'en va de l'autre côté, hein. Vous savez bien que je ne mets pas de mots sur mes cartes, hein, justement, pour laisser libre place à l'interprétation. Alors, apparemment, il y a quand même des gens qui étaient contre, hein. Alors, soit ça peut dire que, effectivement, bah, ça, c'est la mort du président, ou soit ça veut dire qu'il y a des gens parmi le peuple iranien qui meurent. Parce que faute de suffisamment de quelque chose, de moyens, de nourriture, peut-être de soins médicaux, enfin, il y a quelque chose qui manque là. Et j'ai l'impression que le président, puisqu'il est là, hein, il était dans le déni par rapport à ça. Alors, on va reposer la question. Est-ce que c'est un accident? Voilà. Il me dit juste que le président avait un cœur dur. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Ouais, mais non, mais ça me parle. Ouais, écoutez, ça me parle vraiment d'une population laissée dans le dénuement. C'est curieux. J'ai que des cartes comme ça. Une population qui manque de quelque chose. Vous voyez? Les gens, là, ils sont à la rue. Et le président, je mets bien la carte sur lui, il n'a pas de cœur. Il est indifférent. Bon. Alors. Il y a quand même des ennemis au pouvoir, hein. Ou plutôt du pouvoir, pardon. Il y a des ennemis du pouvoir, ouais. Il y a des gens qui étaient contre la politique de ce président. Mais est-ce que c'est un sabotage? Là, je n'ai pas sorti la carte. Ouais, il y a quand même des secrets. Des secrets. Une question de religion. Alors attention, là, ça se complique parce que là, on a les questions de religion. Avec des gens qui pourraient être célèbres ou connus et qui ne disent rien. Donc, est-ce que ça. On va poser la question. Est-ce que c'est un attentat éventuellement commandité par des gens, on va dire, connus, qui auraient une autre religion? Hein, on va y aller. On va mettre les pieds dans le plat. Il y a une explosion, là. Hein. Bon, je sais bien que c'est un volcan, mais c'est une explosion. Hein. Vous avez une explosion hein, à la question posée. Et quelqu'un qui n'a rien pu faire contre. Bon, je pense qu'on est parti effectivement vers plutôt des questions d'attentat. Mais il y a des gens qui vont être montrés du doigt là. Je crois d'ailleurs qu'il y a une enquête en cours. Hein. Donc, on va pointer le doigt vers des gens. Des gens qui vont d'ailleurs être mis sous protection, en tout cas qui sont protégés. Va demander au tarot, hein, qui peut-être me répondra de façon plus directe. Là, en fait, mon oracle m'a donné des indices, hein, ce qui est toujours très intéressant aussi. Mais là, on va demander aux 22 lames du tarot. Voilà, donc j'ai pris uniquement mes lames majeures hein, dans le tarot. Je vais reposer la question, mais c'est intéressant que j'ai quand même le volcan, hein, l'explosion, donc le feu. Ouais. Quelqu'un qui n'a rien pu faire, ou c'était aussi pour mettre quelqu'un hors d'état de nuire. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Bon, alors, cet hélicoptère, là, ce crash, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que c'est du fait de la volonté d'autrui? Alors, on coupe. J'ai quand même quelqu'un, un manipulateur ou une initiative, quelqu'un, et il y a l'international. Bon, ok. Alors, est-ce que ce serait une initiative internationale, hein, si on se contente simplement de déchiffrer la coupe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Accident ou attentat, quoi. Bon, j'ai l'étoile. J'ai quelqu'un d'important. J'ai le soleil, j'ai les amoureux. Ouais, je suis pas sûre qu'il m'ait répondu là. Le soleil, c'est éventuellement quelqu'un de célèbre ou de connu. L'étoile, ça peut être un vœu, hein. L'hiérophant, c'est quelqu'un qui rassemble les peuples. Et là, il y a. Alors, les amoureux dans mon jeu, c'est pas. Une hésitation, c'est plutôt un soutien. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir quelqu'un d'autre là qui aimerait rassembler le peuple? Donc ça pourrait être un autre parti,
un parti adversaire au président qui aimerait justement prendre la relève. La tempérance. Ouais, non, j'ai pas la réponse. La surprise. La force. Le changement, ouais. Je me dis que là, il y aura un changement. Alors, des nouvelles élections, très certainement. Mais un passage en force par rapport à un changement. Et les amoureux, moi, je me demande s'il n'y a pas eu une ingérence étrangère pour se débarrasser du président, mais avec la complicité d'un autre, d'un parti qui aimerait prendre la succession. C'est un peu à ça que je pense. Bon, alors, au vu de... C'est plutôt mon oracle, en fait, hein, qui m'a davantage parlé de volcan, là. Et du fait que ça pourrait être... Hein, je dis vraiment... Puis en plus, il y a ici le Vandale. Ah, je ne sais pas expliquer cette carte-là. Bon, j'ai terminé ma phrase. Que ça pourrait être effectivement commandité. Oui, tout à fait. Et là... Là, il y a des gens, là. Il y a d'autres personnes dans ce pays qui sont en train de construire, de vouloir construire quelque chose. Mais par contre, ce ne serait pas une bonne chose. Hein, parce que j'ai quand même la carte des pillages, moi. Donc c'est comme si en fait il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre le pouvoir de force pour éventuellement même faire des actions beaucoup plus violentes. Il y a quelque chose, hein. Mais ça passe aussi, enfin apparemment c'est passé aussi, pardon, avec la complicité de d'autres personnes. Alors ça c'est la personne, pardon, la carte des personnes riches et célèbres, hein, mais qui restent un peu secrètes. Donc d'autres personnes, ouais, j'ai l'impression que ça a été commandité, moi. Bon, donc on verra bien. Alors peut-être qu'on verra pas, peut-être qu'on n'en saura rien, hein, parce que évidemment tout ce qu'on nous cache. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a des ingérences étrangères derrière tout ça pour permettre à un autre pouvoir, à un autre parti de succéder, ouais, de reprendre le pouvoir. De faire le passage de relais quelque part. Bon, c'est ce que je peux vous dire. Moi, j'aimerais un petit peu avoir le ressenti par rapport aux Français, aux Françaises, par rapport à toute l'idéologie qui est mise en avant, notamment tout ce qui est drag queen, trans, etc. Puisqu'on voit qu'on met ces personnes-là de plus en plus en avant, notamment les porteurs de la flamme olympique, qui devraient, à mon sens, être des anciens sportifs ou des sportifs. Toujours en activité, en tout cas, soit des personnes qui ont participé aux Jeux Olympiques ou soit des personnes qui vont participer aux Jeux Olympiques. Donc plutôt cette catégorie-là, qui sont bien vraiment représentatifs bah, de la France. Mais on a donné, enfin, cette flamme à porter à des gens avec leurs talons, leurs perruques. Il y a même eu une femme à barbe. Enfin, vous voyez, on est dans des trucs complètement space. Et je ne parle même pas de l'Eurovision, cet homme-là, avec une robe, qui a gagné le prix. Enfin, moi, je veux bien qu'il soit. Bon, enfin, bref. Mais par contre, voilà, pas dans cet accoutrement. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas beau, quoi, vous voyez. Ouais, on va m'accuser encore de homophobe. Ben non, il peut y avoir des homos, au contraire, c'est des gens charmants. Mais bon, qui ne s'habillent pas avec des robes, quoi. Enfin. Je sais pas, ça me paraît. Ouais, je sais, c'est un sujet délicat et je sens que je vais m'enfoncer, donc j'arrête là. Mais c'est compliqué, quoi. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose, c'est comme si on essayait de forcer, voilà. On essaie de forcer, de mettre ces gens-là en avant. Et ça, c'est quand même quelque chose que je ressens fortement, fortement. Mais on va demander, qu'est-ce que les Français pensent de cette idéologie qui est même plus que le woke, là. Ça va au-delà, hein. Bon, alors, ben, j'ai le crédit social qui sort, là. Il a envie de sortir en ce moment. Il y a des hommes, ok. Enfin, un homme, plutôt. Ouais, je sais pas, j'ai le crédit social. C'est la coupe, hein, paniquez pas. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que pensent les Français de tout ça? Et puis, en plus, alors, dans un autre registre, pardon, il y a toute l'éducation faite à partir de 3-4 ans, voilà, en dessous de la ceinture, bon... Apparemment, il y a des parents qui trouvent ça correct ou qui trouvent ça normal. Ouais, bon. Je sais pas, qu'est-ce que pensent les Français en général?
Hein, ça fait partie du truc, hein, avec les changements de genre et tout. Hein, tout ça, c'est voilà, dans le même panier. Alors, qu'est-ce que pensent les Français, les Françaises? Alors, en majorité, hein, c'est toujours compliqué sinon d'aller dans le détail, de tout ça, là, d'Eurovision, des Giro, de cette idéologie, des changements, voilà. Qu'est-ce qu'ils pensent, les Français? Alors, un changement, une idée, oui. On montre du doigt et la paix. C'est intéressant qu'on montre du doigt là, parce qu'effectivement, il s'agit bien de personnes qui sortent de l'ordinaire. Effectivement, oui, on est un petit peu dans le thème. Hein. Bon, j'ai une carte spécifique. Je ne crois pas que je vais la sortir sur les 300 cartes, ça m'étonnerait. Mais c'est intéressant que cette carte-là soit sortie. Alors là, on a des histoires de changement. Est-ce que ça veut dire que c'est dans l'air du temps, nouvelles idées? Pour justement faire en sorte qu'il y ait une tolérance, c'est la carte de la paix, par rapport aux gens qu'on peut montrer du doigt. Donc, est-ce que c'est les Français qui seraient plutôt bon enfant en disant, bah oui, c'est normal, voilà, il faut les accepter pour éviter le harcèlement, ou justement de montrer du doigt et la moquerie? On va faire une seconde ligne de carte. Apparemment, ça irait dans ce sens, donc ce serait plutôt dans le sens que les gens trouvent ça normal, dans un but d'inclusion. Bon, il y en a qui partent quand même, hein, par contre. Une idée, mais il y a un tremblement de terre là. La vérité qui sort du puits et une protection. Bon, alors il y a vraiment, comme d'habitude, une division dans la population. Comme d'habitude, des gens qui sont divisés. Non, mais vous savez que faire l'union dans la population française, c'est vraiment un vrai défi, hein. Ça marche pas, hein. Donc c'est bien ça. La première ligne de carte me montre que ce que je viens de vous dire, hein, que les gens, donc il y a une partie de la population qui trouve que c'est normal. C'est une bonne idée, c'est le changement nécessaire pour justement prôner des idées de tolérance et éviter que ces gens-là soient montrés du doigt. Ouais. Par contre, la seconde ligne me dit autre chose. Là, on me dit nettement qu'il y a des gens qui trouvent que tout est en train de se partir en cacahuète, ou en tout cas se casser la figure, là, voilà. Les fondations qui sont en train d'être ébranlées, là, c'est vraiment ça. Tout est en train de s'effondrer sous nos pieds, sous les pieds. Voyez? Des gens qui auraient tendance à dire la vérité. Des gens qui partent, qui quittent la France pour aller dans un pays différent pour se protéger par rapport à ces histoires d'idéologie. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Donc, deux parties, quoi. Vraiment deux parties, mais bien tranchées. Hein. Donc, des gens qui en peuvent plus, quoi. Qui partent, qui quittent la France pour aller ailleurs. Bon, alors, on va voir quand même comment ça va, à quoi ça va aboutir. Là, j'ai vraiment ma réponse, hein. Vous avez compris. Alors, je ne sais pas si c'est du 50-50, mais j'ai l'impression, hein. Bon, alors, comment ça va évoluer, ces histoires d'idéologie trans, machin, truc chouette, de genre et tout? Parce qu'il y a le Pérou, quand même, qui a fait fort, hein. Je vous mettrai l'article. Eux, ils rejettent tout, hein. Voilà, alors c'est carrément problèmes mentaux, ces gens-là, voilà. Donc là, c'est clair et net. Alors, j'ai la chambre à coucher. Ah, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Je ne sais pas. Le monde. Oui, alors j'ai dit qu'est-ce que ça va devenir? Vers quoi on va aller? Ah, attendez, je perds mes mots là. Vers quoi on va aller? Alors, j'ai une invasion, mais j'ai quelque chose de mondial. Vers quoi on va aller? J'ai quand même une invasion, mais une invasion extraterrestre, donc des gens qui sont complètement différents. Bon, pour l'instant, je ne vois pas de prise de position comme le Pérou de la part de l'Europe, hein, parce qu'il n'y a pas que la France. Hein. La chambre à coucher, c'est aussi le fait qu'on ne fasse rien et on ne sait pas où on va. Là, on peut se perdre. Hein. C'est une carte où vous pouvez vous balader en forêt, hein, la carte. Mais on peut aussi être perdu ou se perdre. Un chemin inconnu. Donc, on ne sait pas où on va. Et apparemment, les choses restent comme ça pour l'instant. Ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on a sur les aliens, là? C'est curieux, ça. Une impasse. Il y a quand même une impasse, hein, ici. Ah oui, d'accord.
Ça veut tout dire, hein. Bah, mais ça veut tout dire. Bah ouais. Ouais, vraiment. Non, mais vraiment. Là, je. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est la dépravation, ça. C'est pas que la SCX, mais. Comment dire? C'est se vautrer dans la boue, quoi. En fait, c'est la carte de la luxure, hein, d'accord? Pour faire clair, parce que s'il y en a qui ne comprennent pas, c'est la carte de la luxure et de la dépravation. Et là, on me parle de dépravation, pardon, mais une dépravation qui aboutira à une impasse. Alors, pourquoi les aliens? Je crois que ça peut dire simplement que c'est quelque chose qui nous est étranger. C'est pas... bah oui, c'est pas vraiment... c'est pas naturel, quoi. Hein, quand on change de genre, bon... Je veux dire, il y a des exceptions, hein. Il y a toujours des exceptions, mais je crois que ce genre de décision doit se faire à un âge adulte. Je précise, adulte, et pas des enfants ou des ados. Parce que à cet âge-là, bah, de toute façon, alors, je parle des ados, on est mal dans sa peau, on a le corps qui se transforme, on ne se reconnaît plus dans la glace, hein. Il y a les hormones et tout, ça chamboule. Enfin bref, que ce soit les garçons, les filles. Hein. Enfin bref, vous vous souvenez certainement de votre adolescence, mais généralement, ben, on est en train de muer, exactement comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Et c'est douloureux quand même. Ça prend du temps, c'est douloureux. On se transforme en une autre personne. Et donc, je trouve qu'on devrait laisser les enfants, plutôt les ados, bah, faire leur processus de transformation, et naîtra le nouvel adulte ou la nouvelle adulte, point. Et non pas dire, ah bah tu te sens mal, ou fille ou garçon, c'est parce que tu es dans le mauvais corps. Mais c'est absurde. Enfin bref. Vous savez ce que j'en pense, et je pense que vous aussi. Et là, on me dit que de toute façon, il y a une impasse, quoi. Voyez. J'ai envie de dire, on va droit dans le mur avec ça, parce que. Il n'y a pas que les histoires de changement de genre, il y a tout ce que je vous ai dit juste avant, hein, l'excès. Et là, bah c'est pas naturel. On va quand même demander, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce que j'ai bien compris l'histoire d'extraterrestres, là? C'est bizarre, il y a toujours les femmes qui ressortent dans cette histoire. Ouais. Bon, alors il y a deux choses, là. Moi, je vois un complot contre les femmes dans cette histoire. Ouais, je suis peut-être parano. Ouais, c'est possible. Mais bon, je vois quand même un complot contre les femmes. C'est-à-dire que on a des. Ben, les membres le savent, hein, à qui je fais coucou d'ailleurs. Les membres le savent, puisque j'avais fait une vidéo sur les trans qui font faire, mais c'est vraiment ça, hein, qui font faire des enfants. Parce que ils sont trans, donc voilà, transformés en femmes, et ils ont le droit à des enfants. Non, mais ça va loin, cette histoire, je vous assure. Comme si l'enfant était un droit. Alors, l'enfant est un droit, mais on ne parle pas du droit des enfants. Vous voyez, toujours le monde à l'envers. Hein. Bref. Et moi, je pense que tout ça, cette histoire de queen, de drag queen, de trans, de machin, tout ça, c'est fait pour. C'est fait contre les femmes. C'est fait pour. Supprimer l'idée d'être mère, le fait qu'être mère ou vouloir être mère, c'est quelque chose de naturel. On est en train de détruire cette idée-là avec l'idée d'installer derrière, eh bien, une non-famille, de détruire la famille, parce que la famille, c'est quand même les fondations, hein. Bon, si vous détruisez la famille, bah, vous détruisez absolument tout. Je ne veux pas vous faire tout l'exposé à ce sujet. Et moi, j'ai l'impression que c'est fait aussi. Contre les femmes, et les femmes, on voyait très bien sur cette carte, eh bien, elles vont être de plus en plus. Alors là, c'est quelqu'un qui suit une femme. J'ai envie de dire, elles vont être de plus en plus attaquées. Hein, parce que celui-là, il suit cette femme, normalement pour l'attaquer. Enfin, dans ma carte, hein, a priori. Donc, il y a des attaques contre les femmes. Il y a quelque chose contre les femmes et la féminité, j'insiste. Féminité. Et là, vous voyez, il y a aussi le fait que ça va être le fait peut-être des enfants, justement, des ados. On va devoir en prendre soin. Parce qu'on va voir que c'est irréversible, hein, les changements. C'est irréversible. Et ça, je crois que les jeunes gens, enfin les jeunes gens, les ados, les enfants, qui font l'erreur, c'est une erreur, hein, de changer de SEX, de genre, eh bien, on ne leur explique pas que il n'y a plus de retour en arrière. Voyez? Et là, il y a des questions de soigner.
Donc, je crois que j'ai bien analysé la carte en disant que c'est quelque chose qui est contraire à notre nature, qui est contre l'humain. Mais on voit très bien ici qu'il y aura une impasse, ça n'ira pas plus loin. Donc, on va regarder, si vous voulez bien, cette histoire d'impasse. Qu'est-ce qui fait que ça va être une impasse? Alors, là, une femme qui est en panique. La corruption. Oui, mais avant qu'il y ait une impasse, avant qu'il y ait une impasse, il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup d'argent échangé pour essayer de calmer le jeu. Bon, alors j'ai rien sur l'impasse. J'aurais peut-être pas le, ouais, l'explication. Les maisons, les foyers. Non, la séduction dans les foyers. Pourquoi c'est une impasse? J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ça n'ira plus, parce que même ça finira par ennuyer les gens. Je crois que c'est ça, en fait. Les gens, ils ont, ben voilà, ça c'est une séduction qui fonctionne plus, là. Il y a un ennui. Ouais. On va aller au bout du bout dans la dépravation, là. Et puis au bout d'un moment, même ça, ben, les gens, ils en auront marre, quoi. Donc j'ai l'impression qu'au vu des cartes, que ça s'arrêtera de soi-même parce qu'il y a une lassitude qui va s'installer. C'est plutôt ça que je vois. Voilà, une lassitude. Bon. Donc c'est un truc d'espèce de ballon qui va se dégonfler, quoi, si vous me passez la métaphore. C'est un peu ça. Par contre, on voit très bien qu'il y aura ici de plus en plus de violence contre les femmes qui vont être l'ennemi à abattre. Hein. C'est vraiment ça. Et ici, prendre soin. Bah, je pense prendre soin, à mon avis, des enfants. Je pense que ça va être ça. Bah, voilà, vous avez. Alors, bon, c'est les ados, mais enfin, c'est des jeunes gens, quoi. Ouais. Ah, tiens, 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 tiens. Jésus qui sort. Ah, c'est pas pour rien, à mon avis. Hein. La réflexion. Ouais, là, Jésus qui dit que, ouais, il faut bien, bien réfléchir. Il faut bien, bien réfléchir avec la solution. C'est pas ça. Hein. C'est la mauvaise solution, là. Ouais, mais c'est toujours les élites qui sont derrière, vous voyez. Et que ça apportera que des choses mauvaises. Ça, c'est la maladie, mais c'est aussi la moisissure, donc tout ce qui va devenir gangréné, vous voyez. Presque de la pourriture. Donc ça n'a pas d'avenir. Voilà. Mais ça s'arrêtera de soi, apparemment, parce qu'il y aura une lassitude qui va s'installer. Bon. Ouais, d'accord. Mais du coup, mais bon, par contre, vous voyez qu'il y aura vraiment des gens à soigner. Je pense que ça va être vraiment les enfants, les ados. Même par rapport à l'éducation SEX pour les petits, hein, il va y avoir des dégâts. Hein. Moi, je le dis depuis longtemps. Hein. Et bon, apparemment, les parents ont l'air de trouver ça bien. Okay. Ouais, équilibre instable. Ouais, ça va jouer sur leur équilibre, à mon avis. Ben voilà, je me dis oui, ça va, en fait, ça va déséquilibrer le psychique et le mental des enfants, là. Je ne parle même pas du côté physique, hein. Vous voyez, c'est vraiment pour faire, en fait, c'est ça, c'est pour faire une séparation entre les hommes et les femmes. Le jeu me le redit et me le redit à chaque fois. C'est fait pour faire que, d'abord, qu'il n'y ait plus de femmes. Que les mères, eh ben, soient plus automatiquement assimilées à des femmes. Hein, bon. Et en plus, c'est fait pour que les hommes aillent davantage vers les hommes et que les femmes aillent davantage vers les femmes. C'est fait pour faire une coupure, enfin une séparation. Mais je trouve que ce genre de choses, c'est évidemment de l'ordre de la vie privée, c'est le choix de chacun et de chacune, mais que ça ne doit pas être prôné comme idéologie. Hein. C'est pas pareil. Hein. Là, c'est vraiment le choix personnel. Ouais, voilà. C'est du pillage, c'est du vandalisme, là. On détruit tout. C'est vraiment ça, hein. Bon, bah, va falloir repartir de zéro après, hein. Va falloir replanter de belles valeurs, hein. Parce que là, il y a destruction, il va y avoir destruction totale. Bon. Mais ça veut dire aussi, là, je reviens sur ce que je viens de vous dire, ça veut dire aussi qu'à mon avis, les histoires vous savez, de destruction, de catastrophe céleste parce qu'on a pris le mauvais chemin, ça revient encore sur le tapis. Hein. C'est ça aussi. Hein.
C'est qu'à un moment donné, je veux dire, ça va te conduire à la vraie catastrophe. Quand on est dans des valeurs de perversion, là, avec le cochon, là, la luxure, la perversion, ça ne finit jamais bien, ces histoires-là. Jamais. Jamais. Non. Il y a toujours un truc qui se passe. Il y a toujours une catastrophe naturelle, comme pour dire à l'humanité, bon, faut arrêter les conneries. Il faut revenir sur le chemin de la sagesse. Bah, c'est ce que je vois, moi. Ouais. Attendez. Le sabotage. Oui, bah, c'est de l'auto-sabotage, même. Alors, la rose, c'est une belle chose. Il faut revenir vers des belles valeurs. Hein. Bon, alors après, je ne sais pas dans quoi je suis partie. Bon, ça, c'est les enfants, justement. Oui, on est reparti sur les enfants. Mais pour l'instant, on est dans le déni. Mais il y a quand même des gens qui vont se poser des questions sur les enfants. Alors, les enfants, c'est ben justement, on va dire, à partir du moment où ils peuvent aller à l'école, hein, d'accord? Voilà, cette tranche d'âge-là. Mais alors, il y a des gens qui vont quand même se poser des questions par rapport aux dégâts sur les enfants. Mais vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont dans le déni. Hein. On est reparti encore sur le. Bon, là, c'est les gens âgés. Il y a de la bagarre. Ouais, c'est curieux, ça. Bon, il y a quelqu'un d'assez intelligent et d'assez mûr, on va dire, qui va mettre ça sur le tapis, hein, et qui va faire en sorte que les gens se réveillent. Et le réveil va être très dur. Hein. Oui, il y a des questions de menaces aussi, des questions de disputes, de menaces. Oh là là, mais tout va s'écrouler là. Ben, voyez, on retombe encore dans l'histoire de destruction. Bon, voilà. Bon, donc je ne veux pas faire trop long. Il y a toujours intéressant de voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire. Et donc, ben voilà, donc les choses finiront mal. Et au bout d'un moment, ben, vous avez vu, hein, il y aura une lassitude qui va s'installer. Et on va commencer à s'apercevoir que là, il va y avoir des pots cassés. Malheureusement, c'est les enfants. Les enfants qui vont trinquer et les femmes qui vont subir de plus en plus de violences. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Mais je vous rassure quand même, tout ça finira par s'arrêter. Parce que même là, bah là, il y aura même une lassitude. Ça n'ira pas plus loin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à bientôt. Au revoir.